Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TéléGoël. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto zéro déchet spécial lessive maison. Savez-vous qu'une lessive classique vendue en magasin peut déjà être très chère et contient également beaucoup d'agents chimiques? Une lessive maison contient que des produits naturels, donc très respectueuses de notre santé et de l'environnement, et coûte 2 à 3 fois moins cher qu'une lessive classique. On se retrouve tout de suite dans l'atelier pour la spéciale tuto. Avant de commencer notre recette, je vais vous présenter les produits que nous allons utiliser pour notre lessive maison. Il vous faut dans un premier temps du savon de Marseille. Pensez à vérifier qu'il soit bien certifié savon de Marseille. Il en existe deux sortes, le blanc ou le vert. 72% d'huile végétale, 72% d'huile d'olive. Faites attention. Aujourd'hui, nous allons utiliser directement le savon de Marseille en paillettes. Il vous en faut 70 g. Il vous faut également du bicarbonate de soude. Attention, il en existe deux sortes, l'alimentaire et le technique. Pour notre recette, nous allons privilégier le technique. Et également du vinaigre blanc classique ménager qu'on retrouve dans la surface commerciale. Et enfin, dernière chose, des huiles essentielles que vous pouvez ajouter à votre recette pour la parfumer, mais ceci n'est pas obligatoire. Donc, première étape, nous avons préparé dans un bol 70 g de savon de Marseille en paillettes. Faites également chauffer 80 cl d'eau, soit à la bouilloire, soit au micro-ondes, soit sur votre plaque chauffante, pas de problème. Et donc là, vous allez faire fondre votre savon de Marseille dans l'eau jusqu'à disparition totale des paillettes. Alors, petite astuce personnelle, pour réaliser votre lessive maison, utilisez un ancien bocal en verre. Ça sera plus pratique puisqu'il sera résistant à la chaleur que par exemple une bouteille en plastique ou un saladier, et ça permet d'éviter de faire de la vaisselle. Donc une fois que votre savon de Marseille s'est totalement dissous dans l'eau, deuxième étape, nous allons ajouter 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et donc là, vous mélangez une nouvelle fois jusqu'à disparition du bicarbonate de soude. Faites attention à cette étape parce que si vous ne mélangez pas suffisamment votre préparation, au moment d'ajouter le vinaigre blanc, vous allez avoir une réaction chimique qui va faire mousser votre préparation. Donc maintenant, troisième étape, nous allons ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Donc prenez du vinaigre blanc classique, pas du ménager. Et donc là, vous allez avoir une petite réaction, puisque au contact de vinaigre blanc, le bicarbonate mousse légèrement. Vous pouvez également utiliser le vinaigre blanc dans votre bac adoucissant de votre lave-linge. Et donc voilà, une fois que l'ensemble est bien mélangé, votre lessive est prête. Il faut maintenant juste la laisser refroidir et vous pouvez y incorporer des huiles essentielles, de lavande par exemple. Dans ce cas, vous mettez 10 gouttes ou de la menthe en fonction de vos envies. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'ajouter des huiles essentielles puisque, je le rappelle, pour les enfants en bas âge, il ne faut pas utiliser d'huile essentielle. Privilégiez toujours un contenant en verre. Voilà, une fois que votre lessive est prête, vous la laissez refroidir 24 heures avant d'y incorporer vos huiles essentielles. Avant toute utilisation, mélangez bien la préparation. Vous pouvez remplir une boule doseuse pour une machine complète que vous mettez directement au cœur du linge, surtout pas dans le bac. Directement au cœur du linge, ça permettra de décupler son efficacité. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tuto zéro déchet.